Salut à vous mes petites fourmis, j'espère que vous allez bien. Alors, on repart sur un nouveau tuto Grounded. Et on va voir ensemble comment attraper un petit badge qui, vous allez voir, va vous faire grandement plaisir. Alors, on y va de suite après l'intro. C'est parti! Me voilà. Alors, nous voici devant un bocal rempli de molaires. Oh, qu'est-ce qui fait envie ce bocal, hein, n'est-ce pas? Et vous voulez savoir comment on rentre dedans? Vous le savez peut-être déjà. Pour ceux qui ne savent pas comment avoir toutes ces molaires, eh bien, c'est plutôt simple. Voici, on se trouve sur la carte. Regardez. Si vous prenez le temps jeter un œil dans le bocal, vous allez remarquer, hop, il y a un passage. Et bien en fait, si l'on suit ce passage, on va tout simplement trouver le couvercle du bocal un petit peu plus loin. Regardez, on continue. Pam. Lorsqu'on descend sous ce couvercle, hop, on trouve ici des éléments à couper. Il vous faut, on vous le dit, une hache de niveau 3. Sauf que, si vous ne l'avez pas, vous pouvez éventuellement trouver une autre solution. Regardez, qui veut dire que vous pourrez peut-être le faire en début de partie. On va aller chercher une fourmi rouge. Là, j'en entends une. Voilà. Elle va nous attaquer. Allez, viens. Viens voir papa. Tu me suis toujours? Oui. Bien là. Voilà. Allez. Attaque-moi. Attaque-moi. Et voilà. Même sans hache, vous pouvez rentrer à l'intérieur. On va se débarrasser d'elle. On va avancer un petit peu. Et une fois à l'intérieur, on va trouver. Alors, je vais vous mettre un petit peu de la lumière. Ce qui peut être pratique. On voit ici un abri avec un squelette. Et évidemment, à l'intérieur, on va trouver notre badge du stagiaire. Que va faire le badge du stagiaire? Qu'on va pouvoir porter des charges lourdes, mais à contrario, on va se déplacer moins vite. Alors, on va regarder. Je vais faire de la place dans mon inventaire. Hop là, on va prendre le badge. Alors, je vous laisse le lire s'il vous intéresse. Mais ça, c'est plutôt des choses qui m'intéressent moi quand on fera notre let's play. Ensuite, on va venir ici avec notre marteau, au moins de niveau 2, je vous le rappelle. Et on va se faire plaisir. Et ça. Donc vous devinez ce que c'est ce bocal, hein? C'est le bocal qui contenait à l'origine toutes les molaires. Hein? Et qui a fait qu'elles ont été éparpillées. Voilà. Et voilà. Alors, même si vous venez de démarrer votre let's play, hein, faites-vous une petite construction pour grimper dans le haut du jardin. Venez chercher les molaires. Franchement, ça vaut le coup. Et la construction, de toute façon, vous sera utile. Parce que monter dans le haut du jardin, il vous faudra le faire à un moment donné. Voilà, après pour ressortir, vous repassez tout simplement par là où vous êtes venu. Et nous voici avec des tonnes de molaires. Une coccinelle qui nous court après et qui ne mourra pas. Voilà. Alors, bon, je pense qu'on en a coupé pas mal. Alors, j'ai coupé un petit peu d'herbe. On va voir un petit peu comment fonctionne le badge.
En temps normal, vous le savez, combien on peut prendre de planches? J'en ai pris 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va équiper le badge et on va voir la différence. Le badge du stagiaire. On en prend 5. Alors on peut voir que là on court moins vite, mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On peut emporter 15 avec le badge. Rajoutez à cela le smoothie qui vous permet de porter plus. Rajoutez à cela l'armure fourmi rouge. Et vous pourrez porter jusqu'à 25 planches. C'est juste du grand n'importe quoi. Hop. Voilà, excusez-moi, j'ai été dérangé quelque peu par une coccinelle qui nous attaquait. Donc ce badge, vous pouvez le voir, est très utile. Il va vous ralentir, mais c'est pas foncièrement un problème. Si vous utilisez le sens de l'orientation, par exemple, eh bien vous allez pouvoir regagner de la vitesse. Vous utilisez, ou alors par exemple, hop, les chaussons pucerons, qui sont craftables dès le début du jeu, vous allez pouvoir gagner de la vitesse. Et donc du coup, quand vous allez utiliser votre badge, vous n'allez pas avoir spécialement de problème de vitesse. Regardez, là déjà, j'utilise le badge, alors on va pas très très vite. Mais pour farmer, pour crafter une cabane, lorsqu'on peut porter tout ça, honnêtement, on gagne un temps fou. Alors, c'est un badge que vous pouvez, comme je vous le dis, venir chercher dès le début du jeu. Hein, vous venez, hop, vous traversez la mare. Vous faites une petite construction, comme vous voyez là, en trèfle. Ça va vous prendre, un petit peu de temps, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas énorme. Et vous avez une possibilité de monter et descendre dès le début du jeu dans le jardin. Une fois que vous êtes monté ici, vous pouvez récupérer les molaires, récupérer le badge. Vous pouvez même aller dans la voiture ici, il y a plein de trucs intéressants, vous verrez, je vous laisserai découvrir. Mais voilà, vous avez accès en haut du jardin et vous avez plein de trucs intéressants à y faire. Voilà, petit tuto rapide, mais petit tuto efficace. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir faire des bases monstrueuses grâce à tout cela. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à la prochaine. Ciao mes petites fourmis.